Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut tout le monde, c'est Rookie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo commentée. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur ma stratégie, sur comment faire top 1 en solo. Donc on va pas se mentir, il n'y a pas déjà de tactique à 100% fiable, sinon ça serait d'une part. Donc ça va vraiment être ma stratégie, sachant que je suis pas forcément un joueur qui fait énormément de kills. En moyenne, quand je fais top 1, je suis en solo entre 5 et 12 kills. Là, c'est un gameplay à 11 kills. Et je suis pas non plus un joueur forcément excellent, donc ce sera juste ma stratégie à moi. Après, je vous laisse prendre ce qui vous convient et laisser ce qui vous convient pas. J'ai actuellement 184 victoires en Battle Royale, donc plus de la moitié probablement, voire 100 en solo. Donc, tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir sur Caldera, sur l'île, c'est que Peak, c'est le sommet de l'île. C'est-à-dire que de là, il y aura un dénivelé. Et vous aurez toujours la hauteur si vous démarrez de pic. Et ça, c'est super important d'avoir la hauteur sur les ennemis. Donc, moi, j'aime bien atterrir à pic, mais pas à pic même. Parce qu'à pic même, c'est joué, il y a du monde qui va, il y a du loot, il y a en ce moment les sapins. Donc, en fait, l'astuce, moi, c'est que j'atterris en bas de pic, au niveau du téléphérique. De là, j'essaye de nettoyer la zone, de faire en sorte qu'elle soit sûre. Je fais des allers-retours avec l'autre maison qui est pas très loin, jusqu'à ce que le largage tombe. Et quand le largage tombe, ensuite, je remonte vers pic. Dans ce gameplay, il n'y a pas tout qui va se passer comme prévu. Donc c'est aussi pour ça que je pense que le gameplay est adapté. C'est savoir quoi faire du coup quand le plan ne se déroule pas comme prévu. Puisque en réalité, dans la plupart des parties, les plans ne se déroulent pas du tout comme prévu. Sinon, c'est pareil, on gagne tout le temps. Donc là, je commence par cette stratégie. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je fais mes rotations. Sachant que les rotations, il faut toujours garder la hauteur. Et si on peut pas garder la hauteur, il faut toujours faire une rotation en étant sûr d'avoir personne derrière soi. Donc après, l'idéal, c'est toujours d'être bien looté au départ, c'est-à-dire de choisir une arme pour le corps à corps et choisir une arme pour la longue distance, bien évidemment dans la mesure du possible, et d'avoir au moins un équipement tactique et mortel. Ensuite, en solo, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'autoréa. Je pense que quand on a les sous, il faut pas hésiter à l'acheter, mais en début de partie, je trouve que ça sert à rien. En solo, surtout en début de partie où il y a beaucoup de monde, on se fait facilement finir et l'autoréa ne sert à rien. Elle sert plutôt en fin de partie quand vraiment on se prend des shots de loin. Et je pense que vraiment, notamment là avec les périodes de fêtes de fin d'année où ils font des événements, où il y a le goulag infini tant qu'on gagne, il faut vraiment privilégier, et de manière générale je pense en solo, les drones en fait, qui coûtent plus cher qu'avant, donc il faut forcément avoir une économie vivante. C'est pour ça que là où j'atterris, en général il y a de quoi s'acheter au moins un drone, et avoir assez pour quasiment s'en acheter un deuxième, voire un deuxième directement, ou alors il faut du coup utiliser le drone, soit en tuant les ennemis et donc en recouvrant de l'argent, soit en gardant le drone. Que je vais faire, je crois, dans ce gameplay jusqu'à l'arrivée du largage. Parce que sur le largage, je n'arrive pas seul. Donc, dans ces cas-là, le drone va permettre de voir d'où peuvent arriver les autres ennemis. Après, en ce qui concerne les classes de manière générale en solo, moi je joue fantôme. En général, j'utilise mon argent pour acheter des drones. On ne peut pas acheter de largage avant la tombée du premier largage. Donc, en général, je prends directement fantôme. Avec les accessoires des armes de vanguard, on a directement chargé à bloc, donc c'est relativement sympa. Si jamais on revient du coup ou une situation, on n'a pas vraiment lutté. Après, j'hésite de plus en plus à utiliser alerte maximale quand c'est des modes uniquement Vanguard où il n'y a pas de capteur cardiaque et où du coup toujours les drones coûtent un peu cher. Et ça, c'est vraiment vos préférences à vous. Là, sur ce gameplay, je vois que la Cooper qui, avec la STG44 et la Bren, pour moi, sont les trois armes méta du moment. Bon, là, de deux choses une, la première, j'ai été zéro sur mon shoot, alors que j'avais la position sur l'autre. Bon, c'est chose qui arrive. La deuxième, c'est que du coup, je vais aller au goulag. Alors, le goulag, moi, j'ai une technique à chaque fois. J'ai eu beaucoup de mal avec le goulag au départ, comme le goulag. Ma tactique, c'est toujours d'aller vers le wagon, vers l'extérieur du wagon, et de checker le wagon adverse,
de voir si l'adversaire est à l'intérieur ou à l'extérieur du wagon. Si je le vois pas, a priori, il push pas de ce côté-là. Sachant que s'il push via l'intérieur, on peut aussi l'entendre. Je retourne directement derrière vers mon spawn et je balance une tactique tout à l'opposé. Et là aussi, pusherait à ce niveau-là. Si ça touche, j'ai à peu près la position de l'adversaire et je fais le tour par derrière. Si ça touche pas, là, il va falloir un peu faire jouer le talent pour essayer de le trouver. Donc là, je viens de mourir. Je reviens du goulag. Je sais pas trop où aller. En général, quand on revient du goulag, il y a trois possibilités. Soit on retourne sur son loot, c'est assez risqué parce que probablement la personne nous y attend. Là, pour moi, c'est mort s'il est dans le gaz. Deuxième possibilité, c'est souvent ce que je fais, c'est d'être en bord de zone pour pouvoir looter là où il n'y a pas grand monde et pour pouvoir se refaire petit à petit et essayer d'éviter un maximum les facts avant d'être bien looté. Ou alors, parfois, il faut aller directement en milieu de zone quand la zone est propice à cela. En l'occurrence, c'est le cas ici avec les mines. Puisque les mines, il y a énormément d'endroits où se cacher. Donc ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage. Là, je vais directement dans les mines pour essayer de me looter et de me cacher en attendant les derniers cercles et notamment le dernier largage. Il faut toujours avoir un plan B. Toujours avoir un plan B parce qu'il y a toujours des accros. Là, je me fais tirer dessus quand j'atterris. Il faut que je me sauve. Donc, j'avais imaginé déjà aller dans les mines. Donc, c'est parfait. J'y fonce. Je rencontre quelqu'un. Je le tue. On le voit pas au gameplay parce qu'en fait, j'ai enregistré deux fois en 15 minutes. Donc, ça a coupé malheureusement. Cette personne était bien lootée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère directement son loot. Et je continue à fouiller les mines. Car probablement, il y a d'autres personnes que moi. Et ça va s'avérer être le cas. Donc là, je vais jeter un coup d'œil à la map et je vais voir que le cercle est tel quel et que je peux difficilement reprendre la hauteur. Toujours avoir la hauteur et j'aurais bien voulu être en haut de la montagne. Mais là, ça va être compliqué. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une rotation. C'est-à-dire qu'il faut tourner, il faut avancer, pardon, le long du gaz et en tournant. C'est-à-dire que je vais faire une rotation en allant vers donc, le sud de la map tout en longeant le gaz et donc ça va me faire tourner autour du prochain cercle. L'avantage de ça, c'est que déjà, je suis mobile. Sachant que là en plus je suis pas fantôme, et surtout ça va être d'être sûr de ne pas être pris par derrière par quelqu'un d'autre. Et si on n'a pas la hauteur, c'est vraiment ce qu'il faut faire, faire une rotation en longeant le gaz et en avançant en même temps le long du gaz pour faire un cercle en fait par rapport au prochain cercle. L'avantage de cette tactique c'est de d'une part pas trop s'exposer et d'autre part prendre le maximum d'informations pour repérer les prochains ennemis, ce qui va être le cas ici. Le largage, je ne sais plus s'il tombe bientôt ou pas, mais en tout cas, je récupère énormément de loot, ce qui me permet de m'acheter mon propre largage. Premier réflexe, je prends fantôme. C'est un risque de prendre le largage en solo, puisqu'on peut être repéré, mais je sais que, au vu de la disposition de la map, je suis probablement un des seuls à être en bas, et que c'est pas très intéressant. Donc, c'est le seul avantage à être dans cette situation un peu compliquée. Et d'ailleurs, c'est exactement de ce principe-là que je pars dans ce gameplay, c'est que je me dis qu'au final, en faisant cette rotation par le bas, ce qui n'est pas très intéressant en termes de position parce qu'on n'a pas l'hauteur, bah mine de rien, je vais rencontrer le moins de monde possible. Parce que là, je suis dans une petite galère, donc je me dis que l'idéal, ce serait de survivre dans les derniers, arriver dans les derniers, pour pouvoir surprendre ces derniers-là et pouvoir avoir le top 1. Donc je me dis, eh ben, je vais rotationner par donc l'ouest sur la carte, c'est-à-dire en gros le bas de la montagne pour essayer de rencontrer le moins de monde. Alors la rotation actuelle là, elle va être plutôt influencée par les décors pour pouvoir s'abriter, puisque là les cercles deviennent de plus en plus petits. J'ai du mal à faire les rotations complètes en tournant autour du cercle comme je vous expliquais parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de décors et je me sens plus à l'aise pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? S'abriter, toujours avoir un plan B en cas d'accro, donc en l'occurrence des rochers. Et là, je décide de m'abriter, il reste plus grand monde et j'essaye surtout, important, de me faire discret et avoir l'information sur les adversaires, savoir leur position pour pouvoir anticiper mes prochaines rotations. Fait très important, je remarque sur la map une maison et un camion. Je me dis déjà, c'est quasiment sûr à 100%, il y a un mec dans la maison, un mec dans le camion. On est 5, donc moins moi, ça fait qu'il y a 4 adversaires. J'ai déjà deux points d'intérêt. Et
Très rapidement, on va se retrouver 3 avec moi, donc 2 adversaires. Donc, je pars du principe, c'est un pari après, puisque j'ai pas vu de point rouge et j'en ai pas la certitude, mais je pars du principe qu'il y a un adversaire à ses 2 points d'intérêt. À chacun de ses 2 points d'intérêt. Maintenant qu'on est plus que 3, vraiment, rester discret et toujours avoir un maximum d'informations sur les positions adverses. A priori, vers la maison, il y a un point qui ping un moment, je crois, sur un minimap, donc je sais qu'il y a quelqu'un. Ensuite, vers le camion, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Le camion, il est vers une hauteur. Je me dis, il faut que je joue cette hauteur. Toujours avoir la hauteur. Là, je l'ai pas, mais je me dis, j'ai un masque à gaz. Je peux faire un détour dans le cercle. Il faut que je chope cette hauteur. Non seulement ça me permettra d'arriver par derrière le mec et de l'éliminer, et non seulement ça me permettra d'avoir la hauteur. Et ça, c'est super important. Avant d'anticiper le prochain cercle, d'autant plus que j'ai après une idée d'où se situe le dernier adversaire. Donc à un moment dans l'histoire, je me prends une frappe. Ça, il faut l'éviter, il faut pas hésiter à aller dans le gaz. Et ça m'a pas empêché de faire ma rotation. Maintenant que j'ai accédé à mon objectif, il faut que je trouve absolument le mec qui se cache dans le coin, parce qu'il est forcément quelque part, tout en gardant à l'idée qu'il y a le troisième larron. Donc, j'aime pas prendre, quand les trois, le fight, parce que j'aime bien que les deux se battent pour prendre l'information sur leur position. Mais là, en l'occurrence, je suis amené à le faire, j'ai pas trop de choix, il faut que je m'en débarrasse. Là où j'aurais failli me faire avoir, c'est que le troisième ennemi, en fait, a push pendant ce temps-là. Heureusement, j'étais assez vigilant. Voilà, donc encore une fois, c'est ma tactique à moi, c'est pas une tactique 100% fiable, elle marche pas tout le temps d'ailleurs. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en retiendrez des choses. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous comprenez pas ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Le solo, c'est vraiment un mode particulier. Mais ces derniers temps, je l'ai un peu redécouvert. Et bon, sur la nouvelle map Caldera, bah, finalement, je retrouve un peu de plaisir. Mais voilà, vraiment, ce que je dirais principal, c'est commencer à looter sur un point de départ relativement culminant pour ensuite, sur les rotations, avoir toujours la hauteur. Si on peut pas avoir la hauteur, il faut faire des rotations vraiment à ras le cercle pour essayer d'avoir le moins d'ennemis dans le dos. Et c'est du solo. Donc l'idéal, c'est de faire le moins de bruit possible pour avoir le plus d'infos sur les positions ennemies. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une tactique 100% fiable. Je me considère pas comme étant un excellent joueur. Mais j'espère que ça vous a plu. Allez, salut tout le monde et joyeuse nouvelle année !